Poème 488. Apprivoisez-nous. Aux portes de l'ailleurs, ardentes âmes, comme sur un bûcher les flammes dévorent des suppliciés les chairs, vous brûlez nos vérités d'hommes fiers, enfouies au tréfonds de nos crânes. À grands coups de couleurs océanes, vos visions chassent les évidences de nos esprits pleins d'impudence. Nos mâles pensées trop carrées, hélas rarement rembarrées, logiques mais normatives, bien souvent expéditives, au nom de notre orgueil ou d'intérêts tape à l'œil, conduisent à justifier nos guerres et cautionner nos crimes. Pendant qu'elle, femme providentielle, sainte d'habit noir, pleure chaque soir sur les marbres froids des tombes par charroi ceux qu'elles ne reverront plus, honorés au son du clairon. Pêcheriez-vous par excès de pureté, porté par une exigence de beauté, à vouloir nous mener vers vos airs, pour qu'on puisse, sous des terres, avoir sans phare, sans voile, admirer ces décrocheurs d'étoiles qui parcourent l'univers sur le dos de rapaces détracteurs de nos credos. Pour que vous soyez acceptés sur terre, malgré nos jugements souvent réfractaires, durant une nuit d'ivresse, laissez-nous vous approcher, nous autres, bien trop casse-cou et apprentis sorciers. À renoncer à nous toiser, peut-être parviendrez-vous à nous apprivoiser. Séduits par vos intuitions et vos éblouissements, vous ouvrirez nos cœurs dans un tressaillement. Éblouis par vos clartés, nous ouvrirons nos bras et suivrons vos voies aux antipodes des apparats. Poème écrit par Philippe Parot entre le 5 et le 8 octobre 2021.